Bonjour. Qu'est-ce que tu sais? Il y a un tas de choses que je ne connais pas. Plein de questions qui posent des questions. Voyons voir où ça nous mènera. D'accord. C'est quoi jouer? C'est quoi travailler? Que veut dire aimer? Et qu'est-ce que c'est la jalousie? Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui fait rire? Pourquoi se laver dans le bain? Est-ce que ça fait grandir? Pourquoi si, pas ça? Pourquoi ça, pas si? Qui, que, quoi donc? Et c'est quoi l'idée? Oui! Et c'est quoi l'idée? Mon imagination. Bonjour Hugo. Bonjour Hugo. Oh, bonjour Félix. Bonjour Lily. C'est quoi l'imagination? L'imagination, c'est quand tu vois des choses dans ta tête, Hugo. Oui, et ça, c'est quelque chose que tu fais souvent. C'est vrai. Parfois, je me construis mes mondes à moi dans ma tête. Par exemple, j'imagine un monde où tout le monde a des animaux de compagnie bizarroïdes. C'est un monde où l'on peut disparaître juste en se touchant le nez. Eh bien, Hugo, tu as vraiment beaucoup d'imagination. C'est vrai, finalement j'en ai de l'imagination. Mais quand est-ce que je l'utilise? Eh bien, par exemple, on utilise son imagination quand on joue à être quelqu'un d'autre. Oui, regarde! Cette fille fait semblant d'être un pompier au volant de son camion. Grâce à notre imagination, on peut se voir faire des choses qu'on ne pourrait jamais réussir en vrai. Tu vois, dans son imagination, cette fille est une danseuse en équilibre sur un yeti funambule. Mais se servir de son imagination, c'est aussi inventer différentes manières de faire des choses, Hugo. Comme quand tu joues avec ta pelle. Mais ce n'est pas une pelle. C'est une épée! En garde! Prends ça! Et ça! Et maintenant, c'est pour faire du toboggan! Wouhou! Yeah! Et maintenant, c'est une raquette de tennis! Et parfois, tu utilises ton imagination pour raconter des histoires! Des histoires fabuleusement imaginatives! Un peu comme l'histoire du pompier, par exemple. Celui qui a sauvé le yeti. Et la ballerine. Et la corde raide qui tremblotait. Excellente histoire, Hugo! Quelle formidable imagination! Mais est-ce que je peux me rendre utile en me servant de mon imagination? Les inventeurs passent leur temps à imaginer des choses très utiles, Hugo. Oui, ils pensent à des inventions auxquelles personne n'avait jamais pensé avant. Et quelquefois, ça fonctionne! Parfois, Hugo, on se sert de son imagination pour deviner ce que les autres ressentent. Et comme ça, on sait exactement comment les réconforter. Hugo, le chevalier sans peur à la rescousse! Prends ça, vilain dragon! Et ça, et ça! Le chevalier Hugo est là pour te protéger. Mais est-ce qu'imaginer, c'est la même chose que rêver? Et toi, tu en penses quoi?